We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. I guess this is the beginning of the main session. Il est temps de commencer la session principale. Un sujet très important. Je m'excuse. To start us, and I'm still getting used to the screen, and I see some. Je vais demander Suki de commencer cette session. C'est la session concernant la coopération numérique et son futur. Nous allons réfléchir sur l'avenir. To start off, I'd like to pass the floor. Et sur ce que nous sommes arrivés à accomplir. Donc je te donne la parole. Merci beaucoup. D'Allemagne. J'espère que vous m'entendez. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants de cette session au sujet de la coopération numérique. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos intervenants ainsi que Madame la modératrice. Avril, merci d'avoir accepté de modérer cette session. J'aimerais présenter Jean-Paul Adam, qui est directeur des technologies des changements climatiques dans la commission économique de l'ONU pour Afrique. Nous avons avec nous Levin Cerf aussi, qui est vice-président et chef du département de la promotion d'Internet chez Google. Nous avons aussi Raoul Echeverria, Justin Fair, qui est le conseiller pour la politique numérique au bureau des affaires internationales au département d'État américain. Bienvenue à Anita Milton Müller, qui va nous rejoindre dans quelques instants parce que maintenant il participe à une autre session, mais nous espérons que très bientôt il va nous rejoindre dans un quart d'heure, mais peut-être une demi-heure. Il est professeur à Georgia Institute. Il est professeur au Georgia Institute of Technology. Nous avons aussi Nenan Wakanma, qui représente la Web Foundation. Tout comme nous avons avec nous Maria Francesca Spatorizzano, donc l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les questions technologiques qui a énormément d'impérience en la matière. Avri Doria est notre modératrice, membre du directoire de l'ICANN. Je vous encourage à participer à la discussion et je parlerai des notes, des bios, comme on dit, des participants à la discussion. Nous avons vraiment des intervenants impressionnants. Donc avant de passer aux détails, je vous demanderai à tous de bien vouloir limiter vos interventions à 2-3 minutes. Souvenons-nous que nous sommes 9. Nous avons 3 questions auxquelles nous devons répondre. Donc, c'est pour ça que je vous demande de faire des réponses brèves, de donner la chance, l'opportunité à tout le monde de prendre la parole. Depuis le début de son existence, les sommets IGF, c'était des sommets qui se concentraient sur la coopération numérique. Nous l'avons toujours souligné. Mais souvenons-nous quand même, les temps changent, notre réalité change. Ainsi comme Internet change aussi. Et ce qui en découle, la forme de notre coopération numérique doit changer aussi. Car c'est en effet de coopération qu'il s'agit sur Internet. Et aujourd'hui, à l'ouverture du forum, ça a été rappelé très clairement. Donc l'IGF fonctionne depuis quelques années dans le groupe de conseil MAG, a préparé une série de recommandations concernant
les directions dans lesquelles devrait aller notre coopération. Nous devons définir toutefois certains détails. Comment les sommets IGF et le conseil du MAC vont coopérer pour assurer un développement approprié de ces initiatives. Nous allons écouter ici différents points de vue, différentes perspectives. Nous allons donner la parole à des spécialistes qui, en fait, partiellement ont une vue extérieure sur ce qui se passe dans le cadre de nos structures. Et ici, je vais m'adresser en premier à Vint qui va nous parler de la direction dans laquelle se dirige notre coopération en matière numérique. Oui, merci beaucoup, Avril. Et avant tout, j'aimerais dire qu'Internet est un espace qui a été pensé comme une infrastructure partagée mondiale. Donc, il a certaines propriétés communes avec d'autres écosystèmes partagés, comme par exemple l'atmosphère, comme les océans ou l'espace cosmique. Nous devons donc élaborer des normes communes et des accords concernant l'utilisation d'Internet de manière à arriver à réaliser des objectifs de développement durable. On exige une coopération numérique. C'est une initiative qui est promue par le secrétaire général Guterres. Je considère qu'il faut prendre en compte une série de voies qui vont contribuer à la discussion au sujet de la formation d'Internet. Certains appellent à adopter des politiques qui vont fragmenter plus Internet, et ceci pourrait limiter son potentiel global. Il s'agit donc aussi de contrôler l'accès aux données et de protéger ces données. Mais ces données peuvent être contrôlées de manière différente. Il ne faut pas seulement se concentrer sur la fragmentation d'Internet comme la seule possibilité de protéger les données. Nous avons différentes solutions que nous pouvons réaliser à des niveaux différents de l'infrastructure Internet. Nous pouvons parler ici des solutions cryptographiques, mais aussi de mécanismes renforcés de vérification de l'identité. Nous souvenons-nous que le flux libre de données par-dessus les frontières est un des aspects les plus importants du réseau mondial d'Internet. C'est une chose qu'il faut souligner. Il faut aussi souligner les possibilités de coopération dans le cadre d'Internet qui étaient particulièrement importantes pendant la pandémie de COVID-19. Mais souvenons-nous que Internet, c'est pas seulement de la coopération, mais aussi un domaine de risque, de danger, lié notamment à la cybercriminalité. Donc nous devons utiliser des méthodes globales, mondiales, qui vont assurer la sécurité des usagers d'Internet et poursuivre les crimes sur Internet. Les crimes qui ont lieu sur Internet. Nous devons donc développer une coopération efficace pour ce qui est de la poursuite des pirates qui sont responsables des attaques du type ransomware et autres qui sont liés à la cybersécurité. Et là, nous tenons à ce que Internet devienne de plus en plus sûr et qu'il contribue à la réalisation de différents objectifs de développement durable qui sont si importants pour nous. Merci beaucoup. Maintenant, je m'adresse à Elke et je lui demanderai de présenter son point de vue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à cet événement exceptionnel. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter mes réflexions. Toutes les initiatives numériques qui sont réalisées par nous s'inscrivent dans un plan d'action du secrétaire général pour les questions numériques. Il s'agit de faire en sorte à ce que la connectivité soit accessible à tous. Nous apprécions l'approche multilatérale dans le cadre duquel de nombreuses organisations peuvent coopérer, qui peuvent contribuer à ce que le plan d'action ait une dimension internationale et contribue à une transformation numérique plus rapide. En ce qui concerne ce dont nous nous occupons,
Nous essayons ici de communiquer avec l'opinion publique et réaliser aussi toutes sortes d'initiatives. Nous coopérons entre autres avec l'Union Télécom Internationale, mais aussi avec d'autres acteurs. Nous réalisons un programme qui, notre programme, qui permet de mieux coordonner les travaux qui sont menés dans le cadre de l'ONU. Et j'espère que les autres institutions et les institutions d'en dehors de l'ONU pourront s'inspirer de ce programme et le traiter comme un outil de soutien des efforts coordonnés et des actions coordonnées. Souvenons-nous toutefois que cette feuille de route, ce programme, est censé être un outil de coopération, mais il faut souligner aussi le fait que le résultat de ce travail devrait être transparent et disséminé dans le monde pour que les gens sachent ce qui se passe et qu'ils puissent mettre plus d'efforts dans la réalisation de ces idées. Par exemple, on réalise des initiatives de types différents dans l'Union européenne et en Afrique. Donc la coopération de Mayo a déjà lieu maintenant à des niveaux différents, même si ce n'est pas une coopération entièrement cohérente. Nous savons les documents, les feuilles de route, tout ça, c'est des documents d'assistance. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est des institutions fortes qui ont des ressources qui leur permettront de mettre en place ou mettre en œuvre un mode de gestion inclusive d'Internet. Nous devons aussi avoir une approche liée sur la créativité, la coopération, mais aussi la transmission et un retour d'information. Donc, pour mieux gérer Internet, il faut créer des documents cohérents et des standards cohérents et miser sur des partenariats honnêtes. Je suis heureux que vous ayez mentionné que nous devons miser sur une coopération encore plus proche sur la réalisation en pratique de ce programme pour la coopération numérique. Nous avons entre nous ici Mme Nanne, donc je lui demanderai aussi de prendre position par rapport au programme du secrétaire général pour une coopération renforcée. Bonjour. Je ne vais pas lire ce que j'ai préparé. J'essaierai de vous parler du fond de mon cœur. J'aimerais remercier avant tout tous ceux qui participent à cette session, en particulier ceux qui nous contactent des deux côtes des États-Unis. On est le 8 décembre, c'est la 16e édition du sommet de l'ONU. Afrique, toi, tu es avec nous depuis le tout début, moi aussi. J'observe les travaux des sommets IGF depuis le tout début. J'étais même impliqué dans ce sommet de la société d'information qui a eu lieu quelques années. J'espère que maintenant je suis mieux entendu. Je veux encore souligner une fois que nous rencontrons le 8 décembre et derrière nous, un long chemin. Tout a commencé avec l'étape préliminaire préparatoire qui a eu lieu pendant le sommet de la société d'information. C'est là que nous avons commencé à parler de solidarité numérique. Et en vérité, pendant 16 ans, depuis 16 ans, nous travaillons sur ces sommets ONU. C'était donc des initiatives qui étaient réalisées au niveau international, mais aussi national. Nous, en tant qu'information que je représente, nous aussi, nous essayons de réaliser et de contribuer à la création de programmes pour une coopération numérique plus proche, dont la mise en œuvre de notre agenda commun. Je suis ici pour souligner que la coopération numérique n'est qu'un aspect d'un écosystème numérique. Et je suis heureux que Vint ait parlé avant moi, parce que lui aussi se référait au fait que dans cet écosystème, énormément de choses se passent. Ce sont donc des choses qui ne sont peut-être pas suffisamment prises en compte dans la feuille de route pour la coopération numérique.
Cette feuille de route, ce programme repose sur des piliers, mais il ne se réfère pas à toutes les questions qui sont importantes pour nous, mais seulement à certaines de ces questions. Mais souvenons-nous que l'ONU s'implique seulement dans certains domaines, uniquement lorsque des pays membres ne peuvent pas résoudre des problèmes indépendamment, de manière autonome. Donc l'ONU, je pense, essaye de nous aider et nous allons aussi coopérer avec cette organisation. Et nous sommes heureux de voir ce programme, cette feuille de route. Et là, nous avons travaillé sur la feuille de route déjà sur la connectivité mondiale. De nombreux aspects étaient des aspects qui ont été omis dans ce document. On ne fait pas assez dans ce domaine. Mais j'aimerais toutefois féliciter à tous ceux qui sont impliqués dans ces efforts, car je souligne que Internet a été créé pour qu'il soit accessible à l'humanité entière et qu'il fonctionne dans le meilleur intérêt de l'humanité. Donc, ma Web Foundation se concentre sur la coopération numérique. Si vous voudriez savoir comment, en pratique, la coopération fonctionne, regardez-moi, je suis une femme. Je viens d'un pays du ce qu'on appelle le sud mondial. Je suis ici, je représente ma région et je parle de la coopération internationale pendant ce forum tous les jours. Et j'ai l'intention de veiller à ce que la voix de tous soit entendue. Tout plan de coopération numérique qui sera mis en œuvre, je serai impliqué, je vais y participer. Et c'est mon engagement. Pour notre organisation, je veux qu'Internet soit accessible à tous. Et c'est pour cela que je suis là. C'est justement pour faire en sorte que tel soit le cas. Merci beaucoup. Je pense que ça va devenir, ce discours deviendra une icône, un symbole. Voilà, je suis là, voilà ce qu'est la coopération numérique, c'est ce que j'ai ressenti. Justin, je vous en prie. La tâche qui est la mienne est loin d'être aisée. Après ce qui a été dit, je suis très heureux, cela étant, d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que le moment est bon pour entamer des discussions à un niveau mondial. Je travaille avec le département d'État américain et dans le cadre de notre activité au sein du département d'État. Nous tendons à créer une structure plus cohérente pour ce qui est des activités sur le réseau. Je m'occupe de coopération sur la cybersécurité et la coopération numérique dans les milieux diplomatiques. Je pense qu'une coopération mondiale numérique ancrée dans une approche multilatérale et inclusive est absolument nécessaire si les techniques numériques et Internet sont appelées, ont vocation à demeurer un moteur de progrès. Il est important que nous mettions en application ensemble les politiques et douanes et que nous résumions ce qui s'est passé l'année écoulée. Nous coopérons de ce point de vue avec l'Union internationale des télécommunications qui a publié récemment un rapport concernant la connectivité mondiale. Ce rapport faisait état de craintes, exprimait des craintes. Il était écrit que le monde entier n'était pas connecté. Auparavant, d'ailleurs, les États membres de l'Organisation des Nations Unies avait également signé un traité mondial concernant la lutte contre la cybercriminalité et pour le respect des droits de l'homme. Nous faisons de notre mieux pour mettre en avant ces aspects en coopération avec de nombreux partenaires. Je sais que vous engagez dans des débats assez similaires au niveau national, au niveau mondial, au niveau régional.
dans le cadre du forum de coopération avec les entreprises, avec le monde de l'entreprise, avec les représentants de la société civile. La coopération numérique, à mon sens, se porte très bien. Même s'il est vrai qu'il reste des possibilités d'amélioration, qu'il est possible de faire en sorte que la coopération soit plus étroite encore, il faut réfléchir à ce qui n'a pas encore été fait, ce qui pourrait être mieux fait, comment utiliser le potentiel des travaux qui sont réalisés par de nombreuses organisations. Je pense que de ce point de vue, la feuille de route préparée par le secrétaire général a très bien souligné les domaines les plus importants dans le cadre desquels il nous faudra encore noter quelques améliorations. Je pense qu'il va nous falloir redoubler d'efforts pour ce qui est de l'amélioration de la connectivité au niveau mondial, augmentant l'inclusivité de l'espace numérique tout en protégeant les droits de l'homme, les libertés fondamentales et bien entendu tout en réalisant et en menant ces efforts de manière multilatérale. Je pense que tout cela est absolument crucial afin de souligner le rôle central qui est joué par l'IGF depuis de nombreuses années. J'en terminerai ici. Je vous remercie et c'est avec plaisir que j'écouterai les autres intervenants. Merci beaucoup pour ce commentaire. La dernière prise de parole dans cette partie de ce colloque sera celle d'Anita. Merci beaucoup. Effectivement, on ne peut être en désaccord avec les catégories proposées dans le rapport du secrétaire général, qu'il soit question d'inclusivité ou de droits de l'homme. Nous sommes tous d'accord avec ces conclusions. Cela étant, il y a encore un problème qui reste épineux et douloureux, c'est l'absence de connectivité, l'absence de connexion pour beaucoup, pour une grande partie du monde encore. Le secrétaire général a organisé lors de colloques sur la construction d'un espace numérique. Le but des travaux des hauts colloques était justement de créer une coopération multilatérale. Une coopération multilatérale est possible grâce à la confiance réciproque, possible grâce à un financement adéquat, grâce à un financement suffisant. Partant, il nous faut retenir une chose, c'est que la coopération transnationale en matière de développement de l'espace numérique a un potentiel, jouit d'un potentiel considérable. N'oublions pas que les citoyens ont des droits qui sont clairement définis, déterminés. Les citoyens ont le droit de porter des réclamations, voire des griefs, mais il faut tout de même prendre en considération la responsabilité des plateformes numériques et créer les outils juridiques qui s'imposent. Des propositions concrètes qui ont été exprimées dans la feuille de route du secrétaire général ne définissent pas assez, je pense, de mécanismes de coopération contraignants. C'est pourquoi je pense qu'il est important, c'est pour ça qu'un organe de haut niveau a été créé qui pourrait imposer des obligations plus contraignantes, plus concrètes, avec un soutien matériel apporté aux organisations qui s'occupent d'apporter de nouvelles réglementations dans l'espace numérique. La vision du secrétaire général a également été reflétée dans le Global Digital Compact, c'est un accord numérique mondial, qui mentionne le besoin de renforcer la gouvernance mondiale des biens numériques publics. En revanche, on n'y voit pas du tout de recommandations concernant d'autres, de nouveaux droits non contraignants dans les traités internationaux. Alors, il me semble que dans le contexte des nouveaux biens publics qui vont apparaître, on va avoir besoin de nouveaux textes juridiques. Cela manque. Nous ne voulons pas que nos efforts
nous mène à une nouvelle dystopie moderne. Notre effort collectif doit se concentrer sur les décideurs politiques de haut niveau et à mener des obligations, des engagements contraignants. Nous voulons que nos discussions sur l'inclusivité et la coopération ne soient pas... Nous ne voulons pas que nos discussions ne trouvent pas d'écho dans les textes des Nations Unies. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je suis très heureuse de la diversité des voix que nous entendons. On a des mots de soutien, on a des gens qui sont à mi-chemin, et puis on a des voix plus critiques. C'est exactement ce qu'il faut. Je m'en réjouis. Je voudrais maintenant donner la parole à Jean-Paul. J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. Et maintenant ? Comme vous le voyez, la technique ne cesse. Non, la technique est parfois un défi. Même quand on est en présentiel, vous voyez, parfois on a des problèmes techniques. Mais bon, il m'a suffi d'appuyer sur un bouton. Merci de me donner la parole. Je vais vous parler maintenant du point de vue de la Commission économique aux affaires des pays africains des Nations Unies. Je dois dire que, hélas, nous devons bien reconnaître une chose, c'est que la gouvernance Internet en Afrique demeure trop peu soulignée. C'est plus un sujet envisagé qu'un sujet pris à bras-le-corps. Dans de nombreux pays africains, on n'a pas vraiment la sensation d'avoir les mains sur le volant et d'être aux commandes. Donc, on a tout de même cette feuille de route du secrétaire général. J'espère qu'elle nous aidera à faire avancer la situation. Malgré l'accès à Internet en Afrique, parce qu'on a, on a un accès, mais qui est en dessous de la moyenne mondiale, contexte dans lequel la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation, n'a fait qu'approfondir les inégalités pour ce qui est de l'accès à Internet et les conséquences des inégalités pour ce qui est de l'accès à Internet. Donc ce sont des choses à niveler. C'est pourquoi il est important d'avoir une véritable coopération numérique avec plus d'inclusivité et plus un meilleur accès à Internet de manière à... Un accès abordable financièrement, une amélioration des infrastructures Internet, mais aussi une amélioration des compétences numériques, ainsi que la mise en application de nouveaux cadres juridiques pour allant dans le sens de la justice et de la sécurité. Pour ce qui est de notre travail, du travail de la Commission économique, et des pays africains, je dois dire que nous avons déjà organisé un haut colloque dont le but est de mettre en application une stratégie de transformation numérique pour l'Afrique. Nous coopérons en matière de transformation numérique en Afrique avec des organisations locales. Et nous voulons assurer l'existence et le bon fonctionnement d'infrastructures clés de manière à ce que la transformation numérique soit possible et réelle. Notre commission a également mis sur pied une association, une organisation qui s'appelle Cash Alliance, l'Alliance Liquide, qui émet des bonnes pratiques, qui définit les bonnes pratiques. Nous considérons que le commerce en ligne est dynamisé par les plateformes de paiement en ligne. Nous voudrions nous engager dans une coopération sur de nouveaux cadres juridiques, sur de nouvelles réglementations. Notre commission, la commission économique, s'efforce de commenter l'absence d'accès régulier à Internet. Nous
faisons de notre mieux également pour participer au développement de programmes scolaires en coopération avec l'initiative de l'organisation Girls Can Code. Donc les filles savent écrire des codes, savent coder. De manière à mettre en avant les compétences informatiques et à les populariser auprès des jeunes filles. Et puis nous distribuons les informations aussi sur le COVID-19. Nous répondons aux défis. Nous essayons de relever les défis qui sont liés au COVID-19, à tout ce qui est achat de médicaments en ligne. Là-dessus, on travaille avec des fabricants africains. Et nous essayons de créer de nouvelles possibilités pour ce qui est des achats groupés de médicaments et autres articles sanitaires. On parle ici de 70 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez important. Pour arriver près de ma conclusion, je dirais que concernant la coopération numérique, il nous faut renforcer la capacité à agir des gouvernements. C'est pourquoi nous allons nous engager dans le développement de plateformes de e-gouvernance, de gouvernance en ligne, ainsi que de plateformes électroniques d'administration publique de manière à ce que l'accès aux services administratifs soit le meilleur possible. Je vais maintenant donner la parole à Raoul. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir donné la parole, de me donner la parole, de m'avoir invité à cet événement. Je suis heureux de pouvoir prendre la parole devant un parterre aussi impressionnant, aussi galvanisant. Comme l'a dit Léna, je suis moi aussi, je suis assez engagé dans les travaux du sommet IGF depuis le début, en fait, depuis le début de son existence. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je voudrais ici mentionner principalement trois facteurs qui permettent de rendre la coopération numérique encore plus étroite. Il y a beaucoup d'aspects importants qui ont été mentionnés pour ce qui est de la coopération numérique, et ce sont des choses liées au quotidien. Nous parlons donc de la même chose, mais il y a les discussions qui se font sont assez diverses, en fait. Il faudrait harmoniser un peu les choses. Il y a un autre aspect, c'est qu'il y a quand même un écart entre la théorie et la pratique, entre nos discussions et la pratique dans les divers pays. Et puis il y a un autre sujet que je vais soulever, c'est que l'impression qu'ont les gens parfois, c'est que on pourrait arriver à trouver des accords, mais qu'en fait, ce qui nous manque, c'est des outils qui nous permettraient justement de transposer les discussions et le niveau théorique à la réalité, la pratique. Donc, en partant de là, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons essayer de régler les problèmes, de résoudre les problèmes, et je pense d'ailleurs que le secrétaire général de l'ONU a tout à fait discerné l'ampleur du problème, comprenant parfaitement les craintes qui se faisaient ressentir au sein de la communauté internationale et notamment dans certains États membres. Et c'est pourquoi il a pris ce rôle de meneur pour ce qui est de la coopération numérique. C'est un processus qui n'est pas parfait, bien sûr. La perfection n'est pas de ce monde. C'est pourquoi... Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de créer des solutions qui conviendraient à tout le monde. Le principe de la taille unique ne fonctionne pas. Donc faisons de notre mieux, faisons ce qui est possible. Ce qui est frustrant, c'est aussi que les processus sont longs, le temps est long, le rythme est lent. Les choses demandent du temps, tout se fait à petits pas, peu à peu. Il faut garder à l'esprit le fait que ces pas sont tout de même des pas vers l'avant, et que la lumière est au bout du tunnel, et que des conclusions concrètes vont arriver, et que ça nous permettra de passer de la théorie à la pratique. Mais souvent, quand on est près de la situation, il s'avère que finalement le problème il a évolué, ou alors il y a un nouveau problème qui arrive, la situation elle a changé, et donc on escalade le mât de cocagne en permanence.
L'ONU doit également comprendre que sa mission n'est pas de régler tous les problèmes du monde. Il faut souligner une chose, c'est que l'ONU attend, ce qu'on attend de l'ONU, c'est qu'elle crée des cadres dans le cadre desquels, c'est le cas de le dire, les États membres vont pouvoir travailler. L'Organisation des Nations Unies, bien sûr, a aussi des missions autour de l'engagement sur le travail, etc. Le fait d'engager les experts pour que nos discussions soient basées sur des faits et sur des connaissances réelles. Pour ce qui est des obligations à court terme, des missions à court terme, vous savez, c'est une autre histoire parce que, je vous l'ai dit, c'est frustrant, mais les choses vont lentement. Les choses se font lentement. Mais il faut continuer à avancer pour être fier d'avoir réussi à faire quelque chose de concret. Le modèle multilatéral, maintenant, effectivement, il faut que ce soit le modèle recherché. Parce que c'est grâce à cela qu'on va pouvoir prendre en considération la diversité géographique de notre coopération. À partir du moment où on pourra jouir des connaissances créées par les experts que nous engageons et qui ont l'amabilité de travailler avec nous dans diverses parties du monde, les divers spécialistes qui sont mobilisés autour de nos causes. Notre but, véritablement, est de créer un monde meilleur. Et je pense que le développement de la technique numérique est un élément particulièrement important en la matière pour ce qui est du développement socio-économique de l'humanité. Merci. Merci, Raoul. Maintenant, je pense que le moment est venu pour vérifier s'il y a eu des commentaires sur le chat qui soient apparus. Je demanderai à ce que Sukyung nous informe de ces commentaires ou questions qui seraient apparues. Oui, il y a une question qui concernait la façon dont vous percevez les liens entre la coopération numérique et les processus qui ont lieu dans le cadre du sommet numérique IGF. Quel sera le rôle aussi de cette entente mondiale numérique? Je ne pense pas que si c'est le meilleur moment pour poser cette question. Devrions-nous peut-être attendre qu'il y en ait d'autres aussi? Moi, j'aimerais faire très brièvement. Je ne suis pas la meilleure modératrice en ce qui concerne la surveillance de la discipline. Aidez-moi un peu parce que je voudrais donner aussi la parole ensuite à Maria Francesca, qui se fera plus généralement à tous les commentaires que nous avons entendus ici. Je voulais juste réagir rapidement à ce que Raoul a dit. Je pense qu'il a prononcé des remarques pertinentes. Par contre, j'aimerais souligner que, d'après moi, les sessions les plus utiles pendant le GEF, c'est les sessions là auxquels on peut participer décideurs, parce que ceux qui créent la loi, et leur voix est particulièrement importante, il faut leur permettre de participer à nos travaux. Oui, en effet, pendant l'IGF, nous avons des sessions pour les parlementaires, pour les décideurs, de manière à les impliquer plus dans notre travail. Merci beaucoup de vous en tenir à la discipline du temps. Je passerai donc la voix à Souk pour un résumé, une synthèse. Oui, merci beaucoup. Grand merci de m'avoir donné la possibilité d'entendre toutes ces remarques si importantes. Je dois dire que j'essaye d'apprendre de plus en plus ici. Je voudrais souligner que le sommet IGF est un événement de grande importance. Je considère donc que nous devrions réfléchir sur ce dont nous pouvons attendre de ce sommet. Je ne sais pas combien j'ai de temps. Il me reste 5 minutes. OK. 3? OK. Bon, mettons 4. 4, ça devrait suffire pour présenter une synthèse condensée. Maintenant, je voudrais vous rappeler que l'année passée, nous avons fêté la 75e anniversaire de la création de l'ONU. Et dans le cadre de ces célébrations, nous avons posé une question à tout le monde. Quelle est leur vision de l'ONU? Et plus d'un million de personnes ont répondu dans le cadre des consultations et de nos enquêtes.
Et à présent, nous avons dû analyser toutes ces réponses. Et sur cette base, nous avons élaboré un document qui constitue une déclaration politique et une synthèse de célébration de cet anniversaire. Dans l'un des paragraphes, il est dit que l'ONU doit assurer une dimension numérique pour sûr et accessible. Donc cet espace doit être accessible à tout le monde et toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux travaux qui concernent la formation, le développement de cet espace. Donc l'accès à tous. Nous voulons que tout le monde puisse participer. L'ONU est juste une plateforme. En fait, ça suffirait ce que je viens de dire pour le résumé, pour la synthèse. Mais je vais ajouter encore quelque chose. Il est dit que nous sommes une grande structure importante qui permet une coopération plus large. Et le secrétaire général a préparé un compte-rendu, un document qui était appelé notre agenda commun, Our Common Agenda. Et ce document a été présenté en septembre de cette année. C'est un rapport très large qui contient plus de 90 propositions dans les différents domaines d'activité de l'ONU et il souligne la dimension de coopération numérique dans tous ces domaines. Je dois dire que vraiment beaucoup de travail a été déjà fait et les intervenants aujourd'hui ont beaucoup parlé de cette coopération numérique. Et souvenons-nous que ce n'est qu'un outil qui nous aide à réaliser des objectifs de développement durable. Souvenons-nous que Internet est un bien commun et chacun devrait contribuer à son développement. Nous avons besoin d'une approche multilatérale, mais aussi une entente générale et le Global Digital Compact est une entente comme ça. Il a été préparé et signé par le secrétaire général. Où le secrétaire propose que nous travaillions tous à trouver un consensus orienté vers quelques principes de base. Et là, le bureau de l'envoyé pour les questions techniques auprès du secrétaire général va coordonner la préparation des travaux dans ce domaine. Et ces préparatifs vont comprendre l'analyse de toutes les informations. Donc, qu'apportent les différentes parties intéressées dans ce processus. Donc, ensemble, dans cet agenda, on a donné quelques domaines importants, les aspects importants, dont l'un est l'accès universel à Internet. Nous tenons aussi à éviter la fragmentation d'Internet. Une autre question importante est la protection des données personnelles, des données des utilisateurs. Nous voulons aussi protéger les droits de l'homme dans l'espace numérique au même niveau que nous le faisons, sur le canal, ce qu'on a dit, en ligne. Je veux aussi assurer la responsabilité et la possibilité de faire les décomptes avec ceux qui publient des contenus sur Internet. Nous essayons aussi d'éviter et de rendre impossible une activité criminelle sur Internet. Je sais que ce sont des questions qui ne sont absolument jamais simples. Par contre, nous savons que nous devons atteindre nos objectifs et j'espère que nous réussirons à le faire avec l'utilisation des ressources accessibles et des plateformes de type comme IGF. Je voudrais souligner aussi ce caractère multilatéral de l'IGF, ce qui fait que ce forum est un excellent endroit de discussion sur le futur du réseau et du développement. Là, je vais manger, on a arrêté là. J'espère que nous avons réussi à faire une synthèse de ce qui a été dit ici. Très bien, merci beaucoup. Le point suivant de nos débats sera la question que je vais commencer demander à Vint et à Nena. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question.
elle se réfère à votre intuition en partie. Est-ce que vous considérez que cette entente numérique globale ou cet accord aura un impact positif important? Est-ce qu'il va apporter des résultats palpables, tangibles? Est-ce que ça aura une influence sur la promotion de la coopération numérique, etc.? Est-ce que vous pensez que cet impact sera important? Donc je m'adresse maintenant à nos deux intervenants pour qu'ils répondent à cette question qui concerne votre opinion personnelle. Vint, on va commencer avec vous. Je suis de nature optimiste. Je considère que nous devons tout respecter certaines valeurs. Ces valeurs, nous devons les protéger. Si nous voulons faire que qu'Internet soit un système utile pour tout le monde, nous devons protéger ces valeurs. Nous devons partir, commencer avec des valeurs de base, et ce n'est que par l'application de ces valeurs que nous pouvons rêver d'un Internet qui sera réellement ouvert, sûr pour tous, et qui permettra à tous de réaliser leur potentiel. Je pense que c'est dans cet esprit que nous devrions parler. Nous ne pouvons pas ignorer certains problèmes et compter espérer qu'ils se résoudront tout seuls. Et là, la même question à toi. Il me semble qu'un accord global numérique global sera ennuyeux, parce que là, c'est comme ça les travaux de l'ONU, c'est un peu ennuyant, mais c'est en marge de ce que je vais dire. J'espère que cet accord ne sera pas suffisamment satisfaisant pour toutes les parties. Souvenons-nous que après le sommet de la société d'information et après l'agenda qui avait été adopté en Tunisie, nous n'avons plus eu d'accord global pour la coopération numérique. Donc nous devons arriver à un tel accord, nous devons chercher des solutions et nous devons aussi approcher tout de manière réaliste. Moi, je vais être réaliste. C'est pour ça que je considère que nous allons dans la bonne direction. Nous croyons que nous, chacun d'entre nous, fait partie de cet accord mondial et nous voulons que la voix de chacun d'entre nous soit entendue. Donc nous sommes quelque part à mi-chemin. Nous devons continuer à travailler. Si quelqu'un ne veut pas contribuer à élaborer de bonnes solutions, il devrait ne pas prendre la parole. Merci beaucoup. Non, j'aimerais poser la question suivante. Après avoir entendu toutes ces voix, j'aurais demandé quels sont les changements, les évolutions nécessaires pour atteindre du progrès dans le domaine du progrès numérique. En plus des efforts qui ont été entrepris, on a besoin d'autres choses dans le cadre de ce qui se passe peut-être déjà. Peut-être malgré tout ce que nous faisons, nous pourrions faire encore quelque chose. Elke, c'est à toi que je m'adresse en premier lieu. Mais cette fois, mon micro est branché. J'essaierai de me référer à la question de deux points de vue différents. Nous entendons combien la coopération entre le secteur public et privé est importante. Ce n'est pas toujours facile. Il est difficile d'impliquer les agences gouvernementales à coopérer avec des organisations internationales. Et ici, avant tout, des groupes ou des régions pourraient bénéficier d'une coopération. Donc, trouver une plateforme commune de coopération est la chose la plus importante, en particulier lorsque nous pensons à une coopération qui doit résulter en la mise en œuvre de solutions plus concrètes et de réglementations plus concrètes. Ceci exige de la coopération avec la participation des gouvernements nationaux, une coopération qui se déroulait au niveau mondial. Et ainsi, c'est ainsi que nous approchons ce processus. Par contre, lorsque nous avons entendu
Nous avons entendu qu'il y a toujours des doutes qui apparaissent. Mais les solutions qui concernent les questions telles que la pièce d'identité électronique concernent tous les pays du monde entier. Donc, nous ne serons pas efficaces si chaque pays mettra en œuvre ses propres solutions. Là, on a besoin de coopération sur des principes mondiaux. Nous essayons de travailler de telle manière, en impliquant différents acteurs et différents groupes d'utilisateurs du secteur privé, des différents ministères. Et maintenant, l'autre perspective par rapport à cette question. Chaque solution numérique doit être conçue de telle manière à ce qu'elle puisse être répétée, que cette solution puisse être mise en place, mise en œuvre de manière prévisible à des endroits différents. De plus, souvenons-nous que nous devons aussi encourager les organisations à ce qu'elles, de manière régulière, fassent des revues de leurs mécanismes de gestion des services sur Internet. Et je répéterai ce qui a été dit ici avant, que cet effort doit être multilatéral. Il faut aussi réfléchir aux incitations que nous pourrions mettre en place de manière à ce que plus de parties prenantes s'engagent sur cette voie. Et je dirais pour finir ma conviction. Je suis convaincu en effet d'une chose, c'est que c'est ensemble, par la coopération, qu'on peut obtenir les plus grands succès. C'est pourquoi la reine, le niveau international, le niveau mondial et le niveau approprié, je pense. Merci. Je dirigerai la même question à Milton. 3 minutes. De quels changements avons-nous besoin de manière à accélérer la transformation numérique? Bon, il y a des choses dont il est plus facile de parler que de... Il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Je pense qu'on a besoin de plus de coopération au niveau numérique, mais la coopération numérique, elle sera possible à partir du moment où les grandes puissances mondiales seront prêtes à coopérer. Nous évitons les discussions à ce sujet. Nous n'aimons pas en parler entre experts des Nations Unies, mais si nous voulons vraiment être prêts à coopérer, pour une bonne coopération, il va falloir faire des efforts au niveau politique. Il faut une coopération politique, une coopération diplomatique. Vous savez que les services numériques, ça, c'est des risques de cybercriminalité, de cyberespionnage, évidemment. Donc, au lieu de répéter qu'il nous faut assurer un accès à Internet, à une large bande passante pour tout le monde, ce qui est probablement faisable. Ce sur quoi on devrait se concentrer, c'est les zones problématiques, c'est la création de nouvelles politiques. Et je vais citer l'exemple de la cybersécurité qui est liée au commerce en ligne, qui est lié à la coopération entre les sociétés de télécommunications. Alors là, on a toutes les controverses autour des sociétés comme Huawei aux États-Unis. Donc la question est de savoir comment on va créer des mécanismes communs qui pourraient renforcer la confiance réciproque autour de la 5G, par exemple. Pourquoi la coopération est-elle aussi difficile? Pourquoi la Chine ne fait pas confiance à Google ou à Facebook? Pourquoi la Chine ne laisse pas entrer Facebook ou Google sur son territoire? Pourquoi les États-Unis posent des questions autour de la présence de TikTok sur leur territoire? Pourquoi est-ce que les États-Unis se plaignent de Huawei? Oui, c'est ça, c'est toutes ces questions-là. Et puis il y a la protection de la confidentialité et de la vie privée, les services informatifs. Ça, c'est un domaine sur lequel les États-Unis, l'Union européenne et la Chine pourraient mettre au point des mécanismes communs pour le bien des usagers et des utilisateurs finaux d'Internet. Merci. Justin, maintenant. Il semble que nous ayons réussi à tenir les délais. Oui.
Alors, j'ai été ingénieur un peu plus tôt dans ma vie. Et un ingénieur, c'est quelqu'un dont le mode opératoire, c'est toujours trouver des solutions. On a des problèmes, on cherche des solutions. Donc voilà, la question ici, moi je dirais, c'est ça. Quels sont les problèmes à régler? Quels sont les problèmes qu'on pose sur la table de travail, si vous voulez? Moi, depuis un certain nombre d'années, j'ai l'impression que la coopération numérique signifie quelque chose d'autre selon les individus qui s'en occupent. Donc je pense qu'il faudrait être précis dans les mots que l'on utilise. Je pense qu'il faut faire attention à bien parler la même langue, et ça permettra de... Ça permettra de savoir de quoi on parle quand on parle de coopération numérique. Donc, définition des priorités, de manière à ne pas diluer trop la coopération. Plus de précision, donc, une langue commune et précise, pour qu'on sache qu'on parle de la même chose et qu'on a les mêmes attentes. Et puis, soyons prudents pour ce qui est de cette manière de penser, cette pensée magique qui consiste à rêver de baguettes magiques, elles aussi. Être ambitieux, c'est bien. Être audacieux, c'est bien. Mais soyons réalistes, gardons les pieds sur terre, occupons-nous des sujets qui sont les plus urgents. Laissons les autres pour plus tard. Il est assez peu probable que nous soyons tous d'accord sur une architecture commune, uniforme, harmonisée pour l'architecture Internet. Tirons les leçons des efforts que nous avons placés dans notre travail ces dernières années. Concentrons-nous sur les sujets les plus brûlants, les sujets les plus urgents. Et puis je voudrais dire aussi que beaucoup des travaux qui sont réalisés par l'ONU en matière de coopération numérique sont des travaux couronnés de succès qui aident véritablement à mettre en application, à mettre en œuvre de nouveaux outils de coopération numérique tels que le forum numérique IGF, qui est une plateforme dans le cadre de laquelle nous pouvons, de manière inclusive et transparente, partager des informations sur les nouvelles politiques et les nouvelles pratiques. Je suis très heureux d'avoir l'occasion, la possibilité d'y participer. Alors, la même question va être maintenant posée à Raoul. De quoi avons-nous besoin? Lorsque nous avons ensemble jeté les passerelles de ce forum de gouvernance Internet, je pense que nous n'étions pas conscients d'une chose, c'est que cet événement serait un des plus innovants, un des plus novateurs, qui placerait ensemble des représentants de tous les pays du monde. C'est encore mon sentiment, mais c'est une nouvelle vague d'innovation qui arrive. Il nous faut continuer à aller de l'avant. Nous avons un pas supplémentaire à faire. Et le forum de gouvernance Internet doit demeurer fer de lance de ce processus, doit demeurer la locomotive de ce processus. Nous avons besoin de l'IGF comme plateforme d'échange, mais nous avons besoin de plus. Ça ne suffit pas. Nous avons besoin de mécanismes qui nous permettront d'arriver à des conclusions à plus haut niveau, dirais-je, qui nous permettront de relever les défis les plus brûlants, les plus urgents, de manière concrète et non plus seulement théorique. Donc je pense que ce dont nous avons besoin, c'est un mécanisme qui nous permettrait de créer des solutions contraignantes. Contraignantes pour qui? Peut-être pas pour tout le monde, mais pour la majorité des principaux acteurs sur le marché. Ces mécanismes ne pourraient être mis au point que par une coopération multilatérale. Et cela, ça signifie qu'il faut définir les besoins les plus urgents et faire en sorte d'engager le plus de parties prenantes possible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peu convaincus par rapport à la création d'une base d'entente mutuelle, multilatérale, commune. Mais je pense qu'en Tunisie, il va y avoir le sommet
un sommet lors duquel vous verrez que les choses pourraient aller de l'avant. Il me semble que c'est toujours possible, il est toujours possible de trouver une base de compréhension mutuelle, mais il faut que ce soit fait via l'optimisation. On a besoin de mécanismes qui vont nous permettre d'optimiser le processus et d'engager le plus grand nombre possible de parties prenantes dans les processus, de mettre au point des solutions qui pourraient avoir des conséquences à un niveau mondial. S'il faut que ce soit de nouvelles politiques de niveau mondial, eh bien, il faut engager le plus grand nombre possible d'entités, de sujets. Et je vous l'ai dit déjà, mais les choses prennent du temps, les choses sont complexes, les choses sont chronophages. Et donc, c'est un voyage fait de petits pas. Merci beaucoup. Souk, je voudrais maintenant que vous preniez la parole à votre tour. Je me demande s'il n'y a pas eu des commentaires d'ailleurs dans la messagerie. Je n'ai pas remarqué. Merci en tout cas. Nos auditeurs seront certainement d'accord pour dire que nous avons besoin de règles mises au point ensemble. Une question est apparue sur la messagerie. Nous pourrions donner la parole directement à cette personne. Oui, mais je ne vois personne, moi. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est là avec nous à Katowice. Quelqu'un qui lève la main. Ah oui, ça y est, je vois. Je vois, il y a quelqu'un qui lève la main, effectivement. Ça n'est pas sur Zoom, c'est ici. Je vous en prie, un micro va vous être fourni. Merci beaucoup, parce que les commentaires qui ont été faits par la modératrice ont été particulièrement pertinents. Un débat que je suis avec plaisir sur la coopération numérique telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Je n'ai pas remarqué... Je n'ai pas remarqué de remarques sur les jeunes. Je crois que vous n'avez pas mentionné les jeunes. Et les jeunes, ce n'est pas une catégorie sur laquelle on peut faire l'impasse. Vous savez, l'Afrique est un continent très jeune. Et les stratégies sont très... dirigées vers la jeunesse sont particulièrement importantes pour nous, donc je voudrais savoir si ce type de stratégie existe au niveau du bureau du secrétaire général. Merci beaucoup. J'espère que, bien que personne d'entre nous n'ait parlé de la jeunesse, personne parmi nous ne représente la jeunesse, nous ne sommes plus très jeunes les uns et les autres. Mais peut-être pourrions-nous au moins améliorer notre coopération avec la jeunesse. Vous savez, je voudrais vous remercier pour ce commentaire. Je ne pense pas que nous soyons si vieux que cela. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille sur le sujet, donc le temps est passé. Mais avant tout, je pense qu'il faut qu'on s'éloigne un peu des discussions officielles, multilatérales, que promeut l'Organisation des Nations Unies. Et il faudrait qu'on s'approche de la foule, de l'homme du peuple, des gens, des usagers qui, au quotidien, utilisent Internet. Souvenons-nous, ne perdons pas de vue que si on voulait, pour venir à l'IGF, il faut avoir un passeport. Il faut avoir donc accès, il faut pouvoir prendre l'avion. Bon, pas forcément remarqué parce qu'on est en hybride. Bon, donc on peut rester à la maison, mais pour ça, il faut avoir Internet. Il faut avoir un ordinateur, il faut avoir une bonne connexion parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, vous voyez, il y a quand même des prérequis. Il me semble donc qu'il nous faut, il faut qu'on arrive à s'adresser aux gens qui ne sont pas connectés à Internet. Et il faut qu'on arrive
à faire entendre notre voix à ceux qui n'ont pas les moyens techniques de nous écouter. Comment faire pour que ces gens soient eux aussi engagés dans notre travail? Je pense qu'il serait bon de demander à ceux qui ne sont pas connectés au réseau mondial ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Les changements dont on parle, il ne faut pas qu'ils soient mis en application uniquement à Paris et à New York, mais aussi au Soudan, en Tanzanie, dans tous ces endroits où nombreux sont aujourd'hui encore ceux qui ne sont pas connectés à Internet. Donc quand vous parlez des jeunes, j'imagine que vous parlez aussi des autres, non seulement des jeunes, mais de tous ceux qui sont un peu laissés sur le bord du chemin. C'est pourquoi je pense que là, il faut entendre la voix de tous et entre autres de ceux qui ne peuvent pas venir participer à cette IGF. Bien sûr, et on le dit, nous le disons depuis de nombreuses années, il y a 10 ans déjà, il me semble qu'on avait répété ça. On disait qu'il faut, qu'on en arrive à faire entendre notre voix à ceux qui ne sont pas connectés. Peu de choses ont pu vraiment être réalisées en la matière. Jean-Paul, je vous redonne la parole. Internet doit être un outil d'inclusion sociale, mais la réalité est autre. Ça a été mis en exergue par la pandémie, à savoir que, hélas, ce n'est pas toujours le cas. On a souvent des soucis d'accès à Internet, c'est souvent lié aux tarifs. Internet, ça n'est pas gratuit, c'est parfois même assez cher. Il y a les aspects juridiques, mais il faut que ce soit ascendant et pas forcément descendant. Il faut écouter les attentes des diverses parties prenantes, des usagers, des femmes, des filles, qui souvent ne participent pas assez aux discussions en cours. Des travaux sont donc menés, qui concerne souvent la construction de potentiel. C'est un des piliers de la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine. En effet, nous entendons construire une véritable conscience, faire de la sensibilisation pour faire comprendre aux gens comment utiliser les techniques numériques pour faire avancer le monde de l'entreprise, l'esprit d'entreprise, la création d'entreprise. Et puis il y a la question des cartes d'identité numérique. Ça, c'est une solution, un outil intéressant que nous promouvons comme diverses solutions. Le but étant de faire en sorte que les démarches administratives soient facilitées par l'outil numérique, par l'intelligence artificielle également. Il y a des outils juridiques qui nous permettent, dans des régions du monde comme l'Afrique, de faire en sorte que de plus en plus de gens puissent utiliser Internet. Merci beaucoup. Amir, que tu veux prendre la parole? Je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas si je suis entendu. Amir, est-ce toi? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'octroyer la parole. Je suis heureux de pouvoir me référer à ce qui a été dit ici. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amir Mogabeli. Alors, je m'adresse à tous les intervenants avec la question suivante. Considérez-vous que la promotion de la confiance, la promotion d'un Internet sûr, dirigé vers le développement, devrait être une priorité? Je pense que c'est ce dont a besoin le monde, et non pas de percevoir Internet comme un champ de bataille. Donc, différents types d'organisations qui présentent dans l'espace numérique devraient coopérer justement à cet effet. Il s'agit ici de créer une organisation internationale civique de coordination de ce qui se passe sur Internet. Ça, c'est une suggestion à moi. J'aimerais demander si vous, les intervenants, pourriez dire quelque chose au sujet de cette proposition. J'aimerais aussi mentionner une chose importante concernant le caractère et la nature et d'un Internet de bonne qualité. Qu'est-ce que c'est qu'un bon Internet? Parce que nous parlons ici de la coopération numérique, mais je pense que nous devrions avant tout nous répondre à la question de savoir ce qui décide
que l'espace numérique est bon. Quel est l'Internet que nous voulons? Quel est l'espace que nous voulons créer et disséminer dans le monde? Donc nous avons besoin d'une bonne vision de l'Internet, pour former, créer un environnement concentré sur le développement, mais le développement pacifique. De quelle manière donc nous devons-nous développer le commerce sur Internet et la communication entre les États dans les questions qui concernent la création d'un tel espace? Je pense que tous les pays membres peuvent contribuer à la création d'un espace civil qui va déterminer le bon développement d'Internet. Merci beaucoup. C'est des remarques très pertinentes. Je pense que nous allons en reparler. Malheureusement, moi, je ne peux pas répondre parce que c'est des remarques très philosophiques. Il serait difficile de me référer à ça. Je passe donc au point suivant de nos débats, puisque on s'approche tout doucement de la fin. Une dernière question à vous tous. Comment est-ce que le sommet IGF puisse s'adapter la réalité qui en changement? Comment peut-il mettre en œuvre des réformes et des changements pour tenir le pas et pour promouvoir des changements et pour promouvoir la coopération de l'Europe? Quel est le rôle que devrait jouer le sommet IGF pour ce qui est de la promotion d'une coopération mondiale, numérique mondiale? Madame Maria Francesca Patolizano, tenez-vous en autant imparti, je vous prie. Oui, merci beaucoup. Dans la deuxième partie de notre discussion, nous avons entendu beaucoup de commentaires intéressants. Si je les ai bien compris, je pense qu'il s'agit de s'en tenir à certains principes, élaborer un dominateur commun entre les différents parties intéressées. Et ça ne sera pas facile, mais nous devons chercher des choses communes à tous. Comme ça, les procédures peuvent être un peu ennuyantes, comme Nana a dit, mais c'est absolument indispensable. Merci pour ces commentaires. J'ai entendu aussi que certains nous encourageaient à ce que, dans le cadre de l'ONU, nous soyons très concrets et concentrés sur ce que nous voulons atteindre. Et c'est à ça que je voulais me référer, puisque nous avons mentionné aussi cet agenda commun et ce groupe de principes qui sont à la base de ce document. Mais je voudrais ajouter aussi qu'ensemble, nous serons en mesure de mettre en œuvre ces principes dans le cadre d'actions concrètes. Il ne s'agit pas seulement de se créer des théories. Il s'agit vraiment que ces théories soient mises en œuvre dans la pratique. Les actions, nous sommes absolument indispensables. C'est un objectif ambitieux qui exige beaucoup de coopération. Maintenant, je passe au rôle des sommets IGF. Je pense que ça peut être multidimensionnel. L'IGF, c'est une plateforme d'échange d'idées, d'opinions, mais je pense qu'il devrait aussi devenir un point de rencontre et une plateforme pour, mettons, la vérification pour tester certaines actions pilotes concrètes, d'autres actions concrètes de coalition qui pourraient mettre en œuvre nos principes dans le monde réel. Quel est un autre rôle possible du sommet IGF? Je me demande ça dans le contexte de ce postulat à s'adapter, mettre en place des innovations et réformer. C'est l'approche que l'on attend des sommets IGF, n'est-ce pas? Nous savons déjà qu'il est très important de simplifier certaines procédures, de se concentrer sur les sujets les plus importants, de se définir des horizons temporaires. Il y avait aussi de mentionner le rôle des forums locaux et régionaux qui groupent les représentants de la jeunesse. C'est un mécanisme important, intéressant qui fonctionne dans le cadre de l'IGF, qui permet de bâtir une prise de conscience plus large, pas seulement entre les participants de la rencontre,
par le biais de cet outil, nous pouvons bâtir la conscience, la sensibilisation beaucoup plus largement, et ainsi ça concerne aussi les compétences et la conscience. À présent, nous réalisons un processus qui concerne l'ajout d'un nouvel élément aux structures de l'IGF. Je me réfère ici au panel des leaders, Leadership Panel. C'est un panel de haut niveau qui est important, car il permet d'élargir et de soutenir les travaux de groupes de coopération MAC. Donc je pense que le rôle de ce nouveau panel sera très important. Il est bon aussi de souligner le sentier thématique destiné aux parlementaires, car leur participation des parlementaires et des décideurs contribuera à une meilleure visibilité et à une dimension pratique de nos actions aussi. Nous avons donc besoin de tout ça. Nous avons aussi besoin de financement de ces nouvelles initiatives. Ainsi, nos actions seront encore mieux visibles et plus concrètes et vont impliquer encore plus de parties intéressées. Merci beaucoup pour ces messages si importants que nous attendons ici. Ces informations seront aussi envoyées au bureau de l'envoyé pour les questions techniques auprès du secrétaire général. Espérons que ça contribuera pour une coopération. Voilà, je donne la parole à la personne suivante. C'est moi qu'on appelle. Je n'ai pas entendu, mais j'espère que c'est de moi que vous parliez. Je suis désolé, j'avais le micro en off qui était en sourdine. Alors, l'IGF, évidemment, est une structure qui ne rappelle pas les autres agences de l'ONU, car c'est un forum beaucoup plus qui concerne la discussion et non pas la création de réglementations concrètes. Mais comme nous l'avons déjà dit ici, les sommets IGF devraient créer des conditions pour mener des discussions ouvertes au sujet de politiques d'inclusion. Malheureusement, les sommets ne passent pas toujours l'examen de l'inclusivité, mais on fait de plus en plus en cette matière. Je considère que nous n'avons pas une bonne représentativité de tous les groupes sociaux. Des questions sont très importantes, il faut en discuter, qui assure une hétérogénéité. Nous voulons aussi entendre des représentants des groupes sociaux, de la société civique, de la société technique. Ce sont tous des parties intéressées qui sont intéressées par ce dont nous parlons ici. Nous voulons tous ici obtenir un consensus entre toutes les parties intéressées, mais c'est sûrement un consensus qui ne se traduit pas directement en programme et agenda politique. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas suffisamment d'hétérogénéité, de diversité. L'un des études a prouvé qu'en vérité, il est important d'obtenir une représentativité de 95 pays pour que les conclusions adoptées pendant un forum comme tel celui-ci puissent être considérées comme ayant une dimension pratique pour un nombre suffisamment de parties intéressées. Donc, l'IGF est censé être un sommet qui permet à tout le monde de prendre la parole, à tous les partis intéressants, c'est qui représentent tous les groupes sociaux, tous les groupes de la société. C'est important car ce n'est pas dans tous les pays, nous n'avons pas cette possibilité. Donc nous devons soutenir les milieux qui veulent s'exprimer sur des questions si importantes. Nous devons une approche multilatérale et nous avons évidemment besoin de soutien financier. Nous avons besoin de pouvoir donner la parole aux activistes qui viennent de différentes parties du monde, aussi du sud mondial. Nous devons parler de la biodiversité. Les activistes qui sont actifs dans ce domaine devraient aussi être engagés dans nos travaux. Nous devons faire une attention particulière à certaines communautés qui sont mis de côté.
ça nous permettra de mettre en place des politiques vraiment démocratiques qui vont bien fonctionner dans l'espace numérique, qui seront profitables à tous les membres de la communauté internationale. Merci beaucoup de votre rencontre. Maintenant, je m'adresse à Milton pour qu'il fasse un commentaire. De quelle manière l'IGF peut devenir plus innovant? Comment pouvons-nous nous adapter aux changements qui ont lieu de notre temps? Nous devons comprendre ce qu'est l'IGF et ce qu'il n'est pas. Le Forum de gestion Internet n'a jamais été un organe qui crée des politiques publiques. C'est un forum ouvert dans le cadre duquel les différentes parties intéressées peuvent, de manière ouverte, communiquer. Évidemment, le travail qui a lieu dans le cadre du sommet IGF a un impact sur les politiques qui sont adoptées plus tard, car nous avons affaire à des rencontres de la communauté internationale. Mais tout se passe au niveau micro. La coopération exige avant tout de la confiance, exige que nous nous connaissions mieux. Et je pense que c'est ça avant tout le rôle du sommet de gestion d'Internet, car la majorité de vos propositions basent sur un principe qui est faux, à mon avis, que l'IGF peut devenir plus que ce qu'il n'est. Je ne pense pas que ce soit le chemin vers le succès. Je pense que l'IGF peut mener à la création de nouvelles organisations, peut mener à la création de nouveaux postes. Ce n'est pas, certainement pas une organisation qui s'occupe de la création de nouvelles réglementations. Donc je pense qu'une telle approche peut entraver le développement de l'IGF. Donc, du coup, je considère que nous devons nous référer de manière beaucoup plus courageuse aux controverses réelles qui concernent Internet. Je pense que le MAG, ce conseil de conseil, qui est un organe qui doit être renforcé dans les mois à venir. Je pense que moins de personnes devraient s'engager dans ces travaux, et non pas plus. Ce devraient être des personnes qui ont les connaissances appropriées. Je pense que les personnes qui travaillent dans le cadre du MAG devraient être des personnes ou ces personnes qui réellement ont les compétences requises pour parler des questions portant sur la gestion mondiale d'Internet. Et nous devons aussi, avec plus de courage, approcher la prise en compte des questions et de problèmes qui exigent plus d'implication des plus grands pays et groupes internationaux. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de tensions sur la ligne de la rivalisation entre les États-Unis et la Chine. Et je pense que dans le cadre de l'IGF, nous ne devrions pas éviter non plus et honteusement omettre de tels sujets par timidité. Il faut développer une coopération nationale qui comprendra tous les pays membres de l'ONU. Mais souvenons-nous que l'IGF n'est pas un conseil de sécurité. Ce qui signifie que les discussions qui se tiennent dans le cadre de l'IGF ne sauraient porter un caractère contraignant, ce qui n'empêche que la coopération numérique sera impossible sans une pleine transparence, et l'IGF se doit d'être un forum promouvant la confiance réciproque et la transparence. Merci beaucoup. Excellent commentaire. Il ne nous reste plus que très peu de temps. Je voudrais encore demander à Sokyun s'il y a eu des commentaires au niveau de la messagerie en direct. Nous n'avons plus que quelques minutes à partir de maintenant pour cette session. J'aimerais donc donner la parole à ceux qui sont ici présents dans la salle et lèvent la main. Ou Sokyun d'abord. Peut-être d'abord Sokyun et ensuite les questions de la salle. Il nous reste 7 minutes. Sokyun, y a-t-il des questions sur la messagerie? Je pensais qu'il n'y avait plus que 4 minutes. C'est donc une bonne nouvelle qu'on en ait encore 7. J'aurais une question, moi. Une question à poser à Henriette, puisqu'elle est chef du MAG. Henriette, vous travaillez avec le MAG depuis un certain temps déjà, depuis relativement longtemps. M'entendez-vous, Henriette? Oui, mais on cherche un micro pour Henriette, justement.
D'accord. Alors, ma question est la suivante, la question que je voudrais poser à Henriette, elle qui a des années d'expérience en tant que chef du MAG. Ma question est la suivante. Quelle serait votre perspective, votre point de vue concernant le développement futur des sommets de l'IGF? Henriette est maintenant équipée d'un micro. Allez-y, je vous en prie. Je suis d'accord avec de nombreux arguments parmi ceux qui ont été avancés par Milton, mais pas avec tous. Je pense que l'IGF est une plateforme puissante. Grand est son potentiel pour ce qui est de la coopération internationale, même si nous ne sommes pas un organe législateur. Il n'empêche que nous rassemblons de nombreux activistes et je pense que le potentiel de l'IGF est important et il convient de l'utiliser à bon escient et pleinement. Il y a des gens compétents, des gens qui sont bien choisis et qui sont engagés par rapport à la lutte contre les inégalités, contre l'absence d'accès à Internet. Et le MAG jouera un rôle essentiel à n'en pas douter. Il me semble cependant que la force des sommets de l'IGF, c'est justement les initiatives ascendantes. Si tout cet écosystème de l'IGF devait être fragmenté et morcelé, le risque serait que nous perdions tout contact avec ceux qui sont actifs sur le terrain localement. Or, justement, je voudrais que les initiatives restent ascendantes. Donc moi, je ne suis pas opposé à cette nouvelle conception, cette nouvelle idée de colloque de leaders, mais je voudrais tout de même que l'écosystème ne soit pas plus morcelé que de raison. Pour ce qui est du chat, il y a quelqu'un? Non? Alors la salle maintenant, je vois quelqu'un qui lève la main. Je vous en prie, deux personnes. La parole est à la salle à Katowice. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un dans le fond. Je vous ai vu. Pardon, ma vue n'est plus ce qu'elle était. Mais je fais de mon mieux. Je vois trois personnes maintenant, trois personnes qui lèvent la main. Merci beaucoup. Je suis venu de Syrie. Et pour ce qui est de la numérisation, des technologies ICT, je suis actif professionnellement depuis un certain temps déjà. Je ne voudrais pas parler de création de nouvelles politiques, mais rappelez-vous du programme qui a été adopté en Tunisie. On pourrait presque dire qu'on ne sait toujours pas, en fait, quel était son but. C'est un document qui est assez vague, dont le contenu est assez vague. Nous avons parlé, vous avez parlé d'ailleurs, d'Internet comme d'un monde purement technique, pratiquement séparé et éloigné de notre quotidien. À l'époque, c'est comme ça qu'on parlait. La gouvernance Internet, c'était la gouvernance d'un monde complet, d'un objet complètement technique, une notion complètement technique. Et le langage qu'on utilisait était un jargon technique. Les craintes qui sont les miennes aujourd'hui, c'est que maintenant qu'Internet est inextricablement lié à tous les aspects de notre vie, nous avons affaire à des difficultés que je décrirai de la manière suivante. Ce sommet de l'IGF commence à utiliser des termes de plus en plus énigmatiques. Dans certains pays, d'ailleurs, on n'a pas les ressources nécessaires qui pourraient nous permettre de suivre les conclusions qui découlent de ces débats. C'est mon sentiment. J'espère que cette remarque sera prise en considération. Les petits pays, j'ai l'impression, dans ce processus, y perdent. Ces petits pays dont la voix n'est pas assez représentée, dont la voix n'a pas assez de poids lors des sommets de l'IGF, lors de la première journée zéro, lundi. Il a été question de la fantastique coopération qui a été
qui a été imposée par la pandémie de Covid-19. L'espoir que je caresse, c'est que les nouvelles techniques, les techniques numériques, les nouveaux services numériques seront en mesure d'apporter des solutions, tout ce qu'il y a de plus concrète, accessible à tous. Car si nous continuons à suivre la voie que nous nous sommes tracés depuis le départ, j'ai bien peur que la distribution de biens soit inégale et injuste, ce qui signifie que tous les pays n'auront pas les mêmes possibilités pour ce qui est de faire leur part du travail. On parle de processus ascendant, mais ça ne pousse pas partout, malheureusement. Bien, intervenant suivant, s'il vous plaît. Hello to everybody. My name is Mr. Bonjour à tous. Je m'appelle Yalor Alakhan. Et c'est la première fois que je participe à un sommet de l'IGF. Mais depuis mon arrivée, j'ai pu faire quelques observations. J'ai participé à plusieurs sessions, plusieurs rencontres. Et je vois que les sessions se font en anglais déjà. Donc j'aurais une proposition qui serait la suivante. Il faudrait partir du principe que tout le monde ne parle pas anglais. J'ai participé à d'autres conférences de par le monde. Il y avait des interprètes. Je pense que ce serait bien que ce soit le cas ici aussi, pendant les sommets de l'IGF, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, qui viennent à un sommet sur la gouvernance Internet. Ce serait bien quand même que les gens puissent écouter les débats dans diverses langues, dans différentes langues. Or là, tout est en anglais. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Oui, merci. Merci pour cette remarque, mais comme vous ne l'aurez sans doute pas remarqué, il y a des cabines derrière vous, il y a des récepteurs. Vous pouvez vous équiper d'un récepteur si vous voulez écouter la réunion plénière, en tout cas. Ça n'est pas le cas pour toutes les sessions, c'est vrai, mais en salle plénière, ici, il y a 7 ou 8 langues, voire 9. Une autre question, une autre intervention, en français. Pendant que le micro fait son voyage, Diallo, au niveau national, il y a aussi l'IGF. Et c'est là qu'on peut parler jusqu'à Soso. Donc, ça, c'est l'international, oui. Mais chez nous, on peut parler, on peut bien tenir une IGF dans nos langues nationales. Et on peut même le faire quand on veut. Donc, on accepte l'international, mais arrivé à la maison, on le fait à notre manière, à notre langue. Merci. OK, please. Hello, my name is Christina and I work for Ukraine. Bonjour, je m'appelle Christina. Je travaille pour le département ukrainien de la radio polonaise. On a encore trop peu parlé de l'exclusion numérique. Vous avez parlé de ce qui se passait en Chine. Je ne sais pas si on peut s'attendre à ce que quand la Chine en fait va permettre à ses habitants d'utiliser Facebook légalement. Est-ce qu'on pourrait, en fait, d'une manière ou d'une autre, créer une coopération satisfaisante avec la Chine? Bonne question, je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'estime compétent pour répondre? Et c'est nos attentes? Je ne sais pas si c'est nos attentes, c'est nos espoirs. Oui, d'accord. Donc, question dirigée à M. Milton Miller. J'ai oublié de le dire. Donc, la question, c'est de savoir si la Chine va finir par ouvrir son économie de l'information. Je ne pense pas, non. La tendance qu'on observe aujourd'hui est même plutôt contraire. Et c'est assez inquiétant du reste. En Chine, on observe des cycles. Il y a des cycles de fermeture et d'ouverture. C'est comme ça, c'est cyclique avec la Chine. En ce moment, ils vont plutôt vers la fermeture. Ça confine à la paranoïa. On construit des barrières, on s'enferme, on se calfeutre. Soyons honnêtes et disons que les États-Unis sont dans le même cycle. C'était le cas pendant le mandat de Trump. Donc pour ce qui est de la coopération numérique, il faut parler des relations entre les grandes puissances parce que on a en ce moment trois grands blocs géopolitiques, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Et
je ne serai peut-être pas très optimiste, je m'en excuse d'avance, mais je ne veux pas dire que le reste du monde ne compte pour du beurre, mais ce sont vraiment les trois blocs géopolitiques dans le cadre desquels les décisions les plus importantes sont prises, lesquelles décisions ont des conséquences pour l'ensemble du monde. Donc moi, j'aimerais que les États-Unis, la Chine et l'Union européenne coopèrent plus, négocient de manière plus ouverte, de manière plus amicale et efficace, de manière à ce que ces blocs géopolitiques puissent créer des solutions communes, de manière à pouvoir protéger les données personnelles et autres. Et je pense que le sommet de l'IGF devrait lui aussi s'occuper de ce genre de questions. Quelqu'un a dit auparavant que ça prenait beaucoup de temps de mettre au point des solutions communes. L'IGF ne va pas devenir du jour au lendemain un acteur de premier plan, ce serait irréaliste de dire ça, mais nous pouvons jeter les passerelles d'une coopération future plus étroite et plus efficace entre les grands blocs. Merci. On vient de me faire savoir que le moment était venu de terminer ce colloque. C'est bien dommage parce que ce que vous disiez sonnait comme un excellent début de colloque, mais malheureusement, ce n'est pas le début, c'est la fin. Je voudrais remercier tous les participants et ajouter que je suis heureuse que le secrétaire général ait pu porter toute son attention au sommet de l'IGF et au monde numérique. Merci beaucoup. C'est la fin de ce colloque.